Roberto Firmino, l'homme dont tout le monde parle en ce moment. Il soigne ses stats de but hein, depuis le début de la saison. Il est vraiment impressionnant. On vous donne rendez-vous dans quelques minutes sur EA Sports. Salut à tous, bienvenue ici à Liverpool dans le mythique Stade d'Anfield. Au commentaire, c'est bien sûr le duo Matoumenes qui va vous accompagner. C'est la première ligue anglaise qui reprend ses droits aujourd'hui avec donc cette affiche intéressante. Le Liverpool FC contre Brighton & Hove. Ouais Hervé, encore un match intéressant à suivre entre deux formations dont on attend assez peu de fantaisie dans la compo ou sur le plan tactique. On va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent. Sadio Mané. Un bon ballon à jouer pour les Reds. Puis Najdoum. Sadio Mané. Il repousse le tir. Ballon récupéré par Thiago. Firmino. Ah, on sent que cette équipe de Liverpool est en confiance avec ses échanges assez fluides. Il a frappé, il a été contré. Roberto Firmino qui se sait très attendu aujourd'hui. Ouais, il enquille les buts en ce moment. À ce rythme-là, je ne sais pas où il va s'arrêter, mais il faudra le surveiller aujourd'hui, c'est sûr. Neil Mopé. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Oui, bien fait ça. C'est dévié, ça sort en touche. Un travail défensif de Sadio Mané qui a intercepté ce ballon. Anderson. Jordan Anderson. Salah. Oh, le gros exploit personnel, attention. Mohamed Salah. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Ça. Liverpool, l'équipe qui s'était montrée très combative lors de son dernier déplacement puisqu'elle s'était imposée face à Burnley. Ouais, c'est vrai, le score avait été impressionnant, mais je pense que l'équipe va être accrochée cette fois. Danny Welbeck et le ballon qui change de camp. Puis Najdoum. Roberto Firmino. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Ah, il y est ! On le sentait venir ! Et il est venu ! C'est un premier but amplement mérité pour cette équipe. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Joël Wettmann. Attention, parce qu'il y a un petit peu d'espace sur l'aile. Allez, l'occasion de marquer avec ce duel. Donne en retrait et c'est Liverpool qui marque. Et ça fait donc 2 buts d'écart maintenant, 2-0. Lallana. La passe est interceptée. Thiago Alcantara. Roberto Firmino. Avec Thiago Alcantara. Ça, c'est un bon ballon récupéré. Oh, l'intervention exceptionnelle du gardien. Oh, quel arrêt. Ah, ça, c'est un sacré plongeon, Hervé. L'arrêt du match, peut-être. Wijnaldum. Attention, le danger. Ah, le but qui part d'un mauvais ballon. Provoqué par un gros pressing, vraiment. L'entraîneur ne s'en cache pas, il a toujours dit que ça faisait déjouer l'adversaire, et là-dessus, on ne peut pas lui donner tort. Ah, ce match qui vire à la démonstration dans cette première période. Ah, bien placé, Thiago Alcantara. Un bon ballon à jouer pour les Reds. Oh, la parade exceptionnelle! Oh, quel arrêt! Ah, c'est magnifique, et d'ailleurs, ses coéquipiers le félicitent. Ouais, c'était dangereux, mais la défense s'est dégagée. Oh, quelle détente! Oh, il est allé la chercher très loin, celle-là! Le corner en direction du point de pénalty. Ah non, il n'est pas bien dégagé, ce ballon.
faut être calme là, faut garder son sang-froid pour ne pas perdre le ballon. Là. Voilà, c'est reparti. Ah non, le ballon est perdu. Wijnaldum. Sadio Mané pour Mohamed Salah. Oh, c'est dévié. Heureusement, sinon ça faisait but. Ouais, j'en ai bien l'impression. Comme quoi, ça se joue à pas grand-chose parfois. Hein. Vous suivrez en notre compagnie un match de Première Ligue avec cette rencontre. Liverpool affrontera West Brom à l'extérieur. Prête pas mal ce match, hein, faut le reconnaître. Puis en plus, on est quand même vraiment déçu avec la Première Ligue. Ah oui, alors je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt. Anderson. Et encore une bonne passe. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Oh, la bonne passe. Ballon bien négocié par le gardien. Voyons comment Liverpool va développer cette action. Excellent plongeon du gardien sur cette action. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Le ballon qui est dégagé. Les chiffres ne mentent pas avec l'occasion de but à laquelle on vient d'assister. Ça se confirme, on voit une défense en grosse difficulté aujourd'hui. Mohamed Salah. Oh, Firmino, très bonne position. C'est son troisième aujourd'hui. La défense ne retient pas les leçons. Le match qui a clairement tourné maintenant. Goal for Liverpool. Number 9, Roberto Firmino. Prends peur. Neil Mopé. Ouais, il lui donne carrément. Roberto Firmino. Virgil van Dijk. Un bon ballon à jouer pour les Reds. Bonne précision. Ouais, s'il trouve son partenaire, c'est bien joué. Oh, que c'est bien défendu. Il y avait grand danger. Un petit peu pressé sur ce ballon. Un tacle impeccable. Ce sera une touche à suivre. Après l'intervention défensive, il concède la touche. Lallana. Neil Mopé. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Salah. Ballon qui est intercepté. Ouais, bien joué par-dessus. Il essaye de trouver la faille. Il faudra revoir ce tacle, mais bon, ça joue. Ça pouvait siffler, on va voir si ça profite maintenant. Ouais, bien joué le défenseur. On va peut-être assister à une contre-attaque. Une personne. Le défenseur qui contre ce ballon. Non, elle est interceptée cette passe. Plus que 9 minutes à jouer dans cette rencontre. 1-4-0, hein. Aucun suspense dans cette rencontre. On est à quelques minutes du coup de sifflet final. On a du coup un petit peu le temps peut-être d'évoquer la prochaine échéance de cette équipe. Les Reds doivent affronter West Brom lors du prochain match. L'équipe a bien joué, elle devrait s'imposer. C'est assez logique vu leur domination. Et le ballon qui change de camp. Le pressing qui paye dans le camp adverse. Roberto Firmino. Pour Firmino. Mohamed Salah. Oh, le bon ballon. Plongeon magnifique. Et la parade exceptionnelle de la part du gardien. Salah. Oh, ça fait but. Et c'est signé Mohamed Salah. Ce n'est pas le premier qu'il marque dans ce genre-là. Clairement, ce match tourne à leur avantage. Un favori qui a répondu présent dans ce match. De belle manière, faut le reconnaître. Tout va paraître encore un peu plus facile maintenant. Allez, une petite minute à jouer dans le temps réglementaire.
Voilà, c'est fini. Un match parfaitement négocié par Liverpool qui s'impose.